Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour une nouvelle aventure sur Minecraft. Un truc que je n'avais jamais fait sur ma chaîne. Je vous en ai parlé certainement à l'épisode, enfin lors de la série précédente, donc le jongleur. Donc je voulais me faire une map, comment, enfin une aventure en hardcore. Voire même peut-être en ultra hardcore, mais je pense que déjà hardcore on a de quoi faire. Donc on va faire ça, donc une aventure, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors le problème c'est que là, voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est que mon jeu refusait de générer une map. J'avais des bugs à chaque fois que je générais une map trop grosse ou voilà, enfin dès qu'il y avait une génération de map, dès que la map n'était pas pré-générée en fait. Ça merdait, mon Minecraft crachait. Donc là qu'est-ce que j'ai fait, j'ai remis mon Java en 64 bits, donc j'ai installé Java 64 bits et apparemment ça va mieux, ça va mieux. Donc on va tester ça ensemble. Donc on va se créer un monde en mode extrême et on va voir combien de temps j'arrive à survivre, donc peut-être un épisode, comme on peut survivre sans épisode, on verra bien. J'essaie de chronométrer quand même, mais bon, voilà. Alors, comment on va appeler ça? Allez, je sais pas, moi... Allez. Hardcore, MDJ, on s'en fout. Plus d'options. Juste, je vais mettre un seed. En référence à un ami qui porte ce pseudonyme là, enfin Shilibi Anubis. Donc on va donc ce sera le seed, comme ça au moins vous l'aurez et vous pourrez essayer de faire la même map que moi. Et on va voir où on va tomber. Génération du monde, ok. Ok, on est en pleine jungle. Pas mal pour un début. Allez, ok, donc ça c'est le début du monde, ça merde un petit peu. Allez, première étape, puncher du bois comme toujours. On va peut-être faire les achievements un petit peu. Ok, voilà, donc on va se prendre un petit peu de bois avant le plus rapidement possible. Donc cette aventure, donc qu'est-ce qui va se passer, quels sont les objectifs? Et ben l'objectif final, enfin premièrement c'est de survivre. Secondement ce sera de se faire l'Ender Dragon. Voilà. Donc on va faire toutes les étapes à faire. Puis donc cette série se terminera de deux façons. Soit je meurs, soit je me fais l'Ender Dragon. Ça sera donc c'est assez banal, mais mine de rien. On va déjà galérer à faire ça. Ok. Au travail. On va certainement se mettre ici. C'est bien là. Ouais. Allons-y. Alors, hop, première étape. Hop, on va faire quelques sticks. Ok. Hop. Hop. Une pioche. On va tout récupérer. Ok, et on y va. Donc on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Je compte sur ma légendaire chance avec le diamant. Vous savez que je suis plutôt châteux avec le... pourquoi je remonte? Avec le... avec le diamant. Donc on va voir. Donc là je descends, je vais descendre encore une fois jusqu'à la couche 5 comme habituellement. Je comprends toujours pas pourquoi les autres youtubeurs que je suis s'acharnent à s'arrêter à la couche 10, alors que plus on est profond, plus on a de chances d'avoir du diamant. Moi à chaque fois je descends jusqu'à la couche 5, je tombe sur du diamant assez rapidement. Donc voilà.
J'aurais peut-être dû essayer de chercher une grotte naturelle, mais bon. On va déjà. Excusez-moi si vous entendez du carnage dehors, hein, c'est. Les joies de la campagne. Voilà. Parce qu'il fait un petit peu chaud chez moi, j'ai la fenêtre ouverte en plus. Enfin bon, bref, voilà. Ok, allez, un petit peu de charbon, s'il vous plaît, du charbon. Désolé, vous voyez rien, mais je n'ai pas de torche, hein. Ok, ouais, une caverne. On va essayer. Ouais, je le sens mal, cette histoire. Ok, il y a un zombie. Donc là, faut pas faire les foufous parce que je rappelle qu'on est en hardcore. Je me tire de là. Changement de tactique. Changement de tactique. Et quand je dis changement de tactique, c'est que si on trouve pas de charbon, eh ben on s'en fait. J'ai fermé ma fenêtre parce que je suis sûr que vous entendez pas mal de bordel derrière. Attendez, hop, excusez-moi. Ok, voilà, alors ici on a un charbon. Donc on va faire un petit peu de charcoal avant de faire quoi que ce soit. Je vais me démolir cette. Ok, perdu déjà un demi-cœur. Ah oui, mais je suis encore full en bouffe, donc je vais récupérer. Je suis pas encore en ultra hardcore. Je sais pas hein, si je ferai de l'ultra hardcore. Oh non, on va pas faire d'ultra hardcore. Franchement. J'ai qu'un game rules à changer, hein, je le sais. Mais non. Donc un truc qu'il faut savoir sur moi, hein, je vous l'ai peut-être dit, mais je suis un très très mauvais perdant. C'est quelque chose. Voilà, donc. Bon voilà, donc début d'aventure un petit peu banal, ça va être couper du bois, et puis on va essayer quand même de se faire du diamant avant la fin de la journée quand même, enfin quand la nuit tombera, enfin lors du premier épisode quoi. Je chronomètre pas, je pense que je couperai systématiquement au bout de 20 minutes ou 30 minutes. Ouais, 30 minutes ça me paraît bien comme longueur d'épisode.
Du bois, du charbon. Bon. Hop. Je sais qu'on a des melons maintenant dans dans la jungle. Ce serait sympa qu'on en trouve. Vu que je suis en 1.7.2. Parce que l'intérêt d'être dans la jungle, c'est un petit peu ça aussi. Là-bas, j'ai vu une vache. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Oh, je suis coincé dans du feuillage. Oh zut. J'ai eu un petit freeze. Ok. Eh ben on avance. Je ferai certainement pas d'accélérer parce que bon, c'est du hardcore. Voilà. Bon. Voilà, on a déjà un début de torche. Bon, et puis on n'a pas assez de bouffe pour se permettre de... Hop, voilà. Ok, on va peut-être prendre technique habituelle, torche à droite. Ok, et puis j'ai déjà ce qu'il faut ici. Ok. D'accord, donc là pour le moment on progresse. Là si j'ai un mob qui me tombe sur la tronche, je suis mal. Attendez, oh, organiser, mal organiser cet inventaire. Bon. Ok, du charbon, il y en avait juste là. Ok. Bon, de toute façon, le but, hein, je vous ai dit, c'est de descendre. Mais là, on a dû faire, donc on en profite. Bien sûr, mon chat va m'emmerder parce qu'il veut sortir. De charbon, ça a toujours du bien. Bon, là je peux plus régène hein, parce que j'ai la vie qui est descendue. Enfin, je peux régène si je mange. C'est très imprudent ce que je fais là, je mine juste au-dessus de moi, mais bon. Encore du fer. Si on pouvait déjà se faire le full stuff en fer avant de descendre plus bas, ça serait super cool. De toute façon, ici, cette grotte est safe. Hein. J'ai peut-être envie de m'installer un petit peu ici. Pour commencer, descendre mon stuff ici, pourquoi pas. Ouais, comme je dis, c'est... Ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire. Et je dis pas ça parce que je suis en train de miner du fer. Ok. Hop, ça. On va creuser juste ici. Ok. Pas mal de fer là. Allez, donc on va aller chercher tout notre stuff qui est en haut. Je revérifie juste que ce soit bien secure. Juste histoire que ce soit un petit peu aplani. Ah non, ça. Ouf, elle m'a fait peur la chauve-souris. On va continuer un petit peu notre exploration. D'accord, ok. Donc ici c'est ouvert.
Ici, c'est ouvert. Bon, et de là-bas, il n'y a rien qui peut venir, c'est de la flotte. Bon, on va aller boucher l'entrée. Récupérer tout le stuff qui est ici, remonter rapidement, qui est... Je suis sûr qu'il doit commencer déjà à faire nuit. Bingo, on va juste boucher ça. Ok. Il me fait peur lui. J'ai mon chat qui vient de me faire peur. Bouché. Ok, on va récupérer juste le stuff rapidement. Bon, bah, en tout cas sympa de commencer dans une jungle, ça permet voilà d'avoir des melons. Bah oui, je dis je peux plus régène, mais si, hop, ça récupère un... Voilà. Ok, j'ai pu le récupérer ou pas? Ouais. Ok, tant pis, j'en refais une, mais c'est vraiment parce que... Parce que voilà... Mais quel con. Bon. Allez, pousse la chauve-souris. On va se faire un... Ouais. Hop. Ici... ouais, une pioche en pierre le temps juste d'aller récupérer tout le stuff restant. Qu'est-ce qui me reste en pierre? Il me reste pas grand chose. Ouais, hop, on va creuser juste ici. Voilà, ok. Donc hop. Un petit four. Donc on va y mettre notre fer à chauffer. On va aller récupérer ce qu'il reste. Bon, pour le moment on se débrouille pas mal. On se débrouille pas mal. Donc ici c'est bon, ici c'est bon, là-bas il y a du fer. Attendez, j'espère que mon micro était pas trop près. Ok, donc là on est bien. Ici il y a de l'eau, quand j'aurai un seau d'eau je pourrai le prendre. Normalement c'est bien éclairé hein. Et non je tuerai pas la chauve-souris. Je vais la laisser tranquille. Et pourquoi pas même la renommer avec un name tag. Allez, ce sera ma copine la chauve-souris. Non, je déconne. On va quand même aller à ce point-là. Ok. On va rajouter le fer qu'on a ramené. Ok.
Par là, j'avais tout récupéré, hein, de toute façon. Ouais, ça m'a l'air. Allez. Ajuster, continuer un petit peu ici. On est encore à la couche 50. On est encore loin de notre objectif. Mais ouais, sympa cette petite grotte naturelle. On a récupéré pas mal de ressources. Donc voilà. Du gravier, on va pouvoir faire du flint après. On va voir si le jour c'est pas par hasard terminé. Ouais, ça m'a l'air d'être l'aube. Non, c'est juste la brume. Ok, c'est juste histoire de récupérer ça le plus vite possible. Là-dedans, il n'y a rien. Ouais, si c'est l'aube, ça commence à se lever. L'heure assez safe. Bon. On va quand même. Voilà, boucher. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 23, on a presque notre full stuff. On va rajouter deux fours. Ici, on a du bois. On va manquer de bois. Donc vu qu'on va manquer de bois et que ça commence à se lever, on va aller chercher. Ok. Attendez, je laisse juste tout ce dont je n'ai pas besoin. Ça, c'est du flint. Ok, les torches on n'en a pas besoin, la pioche on peut éventuellement aller ici. Ok, on va aller couper encore un peu de bois avant de s'enfoncer davantage. Sans pour le moment ça a l'air toujours safe. D'accord, bon, allez hop. Falloir quand même rester méfiant, mais bon, en soi je me fais pas trop de soucis. On va abattre ce gros arbre. Qu'il y a pas un morceau qui reste parce que je vais avoir des arbres flottants, je vais y arriver. Ok. On va continuer à la main, c'est pas un problème. Ouais, c'est tout de suite plus long, hein. Ça, on va arriver au stack.
Voilà. Bon, là, c'est pas très très intéressant, mais on va voir un petit peu comment va se passer la séance de minage un petit peu après. Bon, on va s'arrêter ici. Toujours notre gravier pour boucher l'entrée. Voilà. Et puis on est reparti. Ok, le fer, où est-ce qu'il en est? Il n'a pas fini? Bon, on va quand même pouvoir se faire. Alors, les bottes. Les bottes, je disais, on va pouvoir se faire le casque. Hop, hop. On va pouvoir se faire le froc. On va pouvoir se faire le plastron. On va pouvoir également se faire. J'ai pas ce qu'il faut pour. Les sticks. Les sticks, ils sont là. 5 sticks, ça tombe bien. Alors ici, on va pouvoir se faire l'épée. Voilà. Et on va pouvoir se faire une belle pioche. On va peut-être même s'en faire deux, éventuellement. Ouais, on va s'en faire deux. Ok, donc ça, et il nous faut encore... on va s'en prendre deux. Histoire qu'en bas on puisse se faire une source infinie. Ça on va laisser ici en attendant du gravier. Ok, ça on équipe. Ok, on est bien là, on est bien là. Ah, on est pas mal. Ok, la vache que j'avais tuée, oh, non, elle n'avait pas laissé de cuir, dommage. Qu'est-ce que je vais faire par là? Moi, il n'y a plus rien à récupérer. Il restait 3 de cuir ici. Au niveau de torche, on va être un petit peu... Oui, si, je savais ce que j'allais faire là-bas. Si, il fallait que j'aille faire un truc là-bas. Au niveau torche, on va être court, donc on va en refaire après. J'adore les épées avec Affinity HD, sont vraiment waouh quoi. Ouais, elles sont waouh. Ok, juste ouais, niveau éclairage, ça fera l'affaire. Je vais juste remettre une petite torche ici. Voilà, on va se refaire des torches. Avant de partir. On va utiliser le charcoal pour ça. Justement, j'ai plus de stick. On va s'en faire que la moitié. Alors, hop. Là, ça va nous faire un sacré stock. Deux torches, on va en garder que deux stacks sur nous. Le reste va aller ici. On va garder le strict minimum sur nous. Même si c'est pas très utile, mais c'est histoire d'avoir un inventaire assez propre. Et en cas de besoin, on remontera ici. Tout simplement. Ok, on va finir d'utiliser la pioche en pierre tant qu'elle est là. Et puis c'est tout. Ok, encore du charbon. On s'en fout, on a ce qu'il faut en charbon. Sinon, on le reminera, c'est pour l'XP, mais quand on aura bah, de quoi faire avoir une table d'enchantement. Quand on aura vraiment ce qu'il faut pour enchanter, on ne passera à côté d'aucune ressource, hein, que ce soit le charbon, tout ça. Même si le charbon n'est pas forcément utile en soi, on va pouvoir comment ce sera pour l'XP quoi.
Là, je mine parce qu'il est sur mon passage. Direction, hein, donc je vous l'ai dit, la couche numéro 5. Le fer, on va quand même pas passer à côté. Et la pioche en pierre vient de rendre l'âme. Ok, donc on passe au niveau supérieur avec la pioche en fer. Et ben c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est à la couche 24. De l'or. Je me méfie vraiment hein, de ce qu'il pourrait y avoir en dessous. Voilà, et on va continuer. Là, il s'agit pas de faire le fanfaron et de creuser en un puits comme je faisais avant.